Salut à tous, c'est Redassi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve dans cette vidéo là, je vais vous présenter une petite méthode qui va vous permettre d'avoir Canva Pro gratuitement et directement sur votre propre compte, ok? C'est très simple, pour commencer, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu, bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo là. Pour commencer, c'est très simple, vous allez sur le site de canva.com et vous allez vous connecter à votre compte, ok? Comme vous pouvez le voir là, je suis sur la version gratuite. Comme vous pouvez le voir, je peux cliquer sur essayer la version premium pour me demander si je veux essayer la version gratuite. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur un autre site qui s'appelle Bintego. Ok, bon, ce site là, c'est un site qui a pas mal de publicité. Je vous invite directement à activer Adblock si vous avez, sinon vous pouvez l'utiliser directement. Et une fois que vous êtes sur ce site là, vous allez cliquer sur le premier lien. Ok, et vous allez être redirigé sur cette page là. Qu'est-ce que vous devez faire? Tout simplement, c'est de descendre tout en bas jusqu'à être sur cette ce petit onglet là, et vous devez attendre 60 secondes le temps que vous aurez accès à un lien premium, tout simplement. Ok, on va attendre tout simplement. Pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Canva, c'est une sorte de logiciel qui va vous permettre de créer par exemple des CV, créer par exemple des tableaux PowerPoint, Excel et d'autres genres. Vous pouvez même créer des présentations, des bannières pour vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et tout ça. Vous pouvez même retoucher des photos par exemple pour les corriger les couleurs et tout ça. Vous pouvez créer des vidéos animées pour, par exemple, pour présenter un produit. Vous pouvez faire pas mal de choses, même de créer des sites web avec ce petit site-là. Ok, il y a une version premium, il y a une version gratuite. Vous pouvez utiliser la version gratuite si vous voulez pas utiliser cette méthode-là, mais vous pouvez bénéficier de la version premium avec cette méthode-là. Ok, une fois que vous avez atteint 50 secondes, vous allez cliquer sur download tout simplement et vous allez être redirigé sur cette petite page là. Ok, une fois que vous êtes sur cette page là, vous cliquez et vous suffit seulement de cliquer get here tout simplement, et vous allez être redirigé sur votre compte Canva comme vous pouvez le voir. Et là, il va vous demander de dire que vous acceptez tout simplement. Vous cliquez sur j'ai compris, et comme vous pouvez le voir maintenant, vous êtes sur avec un compte premium.